Coucou mes petits rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Là, ça serait une vidéo all action parce que j'ai été action pour des petites choses. Donc voilà. En ce qui concerne les prix, ben, je vous les mettrai comme d'habitude là ou là parce que j'ai gardé le ticket de caisse. Par contre, il y a un produit que je n'ai pas. C'était une voiture de course pour mon petit neveu. Donc je l'ai pas. Donc je suis désolée, je peux pas vous la montrer. Bon, sinon pour le reste, j'ai tout avec moi, donc voilà. Donc je vais commencer ce haul maintenant, puis vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ceci. Donc c'est une... C'est de l'huile de coco, désodorisant, biologique, c'est bio. C'est pour la cuisson, et pour, vous pouvez aussi vous en servir pour les soins du corps, donc voilà. Ça fait un moment que j'avais envie de tester, mais j'ai jamais sauté le pas, donc j'en ai profité, j'en ai acheté un pot, il y a 400 grammes dedans, donc je vous en dirai des nouvelles si vous voulez, puis en même temps, ça a l'air d'être top. Ensuite, j'ai acheté, comme d'habitude, mes sacs poubelles, je vous les montre à chaque fois que je les achète, ils sont géniaux, c'est à la lavande, il y en a 15. Je les rachète à chaque fois, là j'en avais encore, mais bon je me suis dit je vais les reprendre, comme ça me fait un petit stock et pas besoin de retourner à l'action, mais bon, on dit toujours ça, mais on y retourne quand même. Ensuite j'ai acheté des éponges roses, ils disent que c'est spécial pour salle de bain, mais clairement je vais pas m'en servir pour ma salle de bain en fait, je vais m'en servir pour ma cuisine, parce que je trouvais ça mignon qu'ils étaient roses, donc voilà. Peut-être j'en garderai une pour la cuisine et une pour la salle de bain, mais la salle de bain, je ne me sers pas de ça, je me sers d'autres choses. Donc voilà, il y en a deux et voilà. Pas cher, mais c'était bien. Ensuite, en ce moment, il y avait des promos sur les gants de toilette. Donc j'en ai pris un rose. Bon, bien sûr, j'ai pas fait attention, il est fiché au chien. Ça va, c'est bon. Donc voilà, j'ai pris un rose et j'ai pris une couleur taupe. Je crois que c'est taupe. Quoi qu'en caméra, ça fait gris. Mais non, c'est pas gris, c'est dos. Bon voilà, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris aussi en promo cette semaine. C'est un petit pulse comme ceci. Moi, j'ai pris licorne. C'est pour... Il n'y a pas marqué l'âge de l'enfant. 10 mois ou plus. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'en fait, à chaque fois, je garde mes neveux, mes nièces. J'ai pas de jouets chez moi, donc je me suis dit... Pour la plus petite qui a 2 ans, ça serait elle pourra jouer avec ça, apprendre à placer les objets. Donc je la trouvais trop mignonne en fait en licorne. Il existe en voiture. J'ai vu quoi encore? Bon, il y en avait plein d'autres, mais moi j'ai préféré licorne parce que bon, c'est une petite fille, donc c'était bien. Ensuite, la dernière chose que j'ai prise, c'était aussi en promo cette semaine, c'est du make-up Halloween, parce que je compte vous tourner une vidéo make-up Halloween. Par contre, je vais pas faire comme j'ai fait l'année dernière où j'expliquais tout ce que je faisais. Là, ça sera vraiment je parlerai pas en fait, je vais juste maquiller ma nièce et je vous mettrai en écriture les détails et tout ça. Et en fait, il me fallait du faux sang, donc j'ai acheté les faux sangs des dents, donc j'en ai profité, je les ai prises en même temps. Peut-être je me servirai de ça, mais peut-être pas. Après, ça s'enlève avec de l'eau et du savon. Comment vous diriez quoi dedans? Du maquillage pour le visage, du faux sang, des dents, une éponge et un passant. Et aussi, l'éponge m'intéressait beaucoup. Donc voilà, mais je vais pas faire ce make-up là. Parce que normalement, c'est spécialisé. Là, c'était pour faire un vampire. Vous avez d'autres aussi, d'autres kits qui étaient pour d'autres make-up. Mais moi, j'ai pris au pif en fait. J'ai juste pris où j'avais besoin des choses en fait. Mais c'est. Je sais pas si c'est vraiment vampire quand même. Vous verrez bien quand je tournerai la vidéo. Elle arrivera, je pense, la semaine prochaine. Mais je suis pas encore sûre. Parce qu'il faut que je vois avec la disponibilité de ma nièce. Donc voilà, parce que je ne le fais pas sur moi en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ceci. Et ensuite, je vais vous montrer un truc qui n'a rien à voir avec Action. Je l'ai trouvé dans un magasin. Un magasin de déstockage en fait. Qui était pas très loin, donc j'ai trouvé des crayons couleur à 50 centimes. Donc voilà, je me suis dit je vais vous les montrer, merci. Pour ceux qui sont pas de Lille, ça sert un peu à rien, mais voilà, c'est la dernière chose que j'ai acheté cette semaine.
Ah non, mais j'ai pas acheté que ça. Attendez, je reviens. J'ai oublié un truc de chez Action. Ben oui, j'ai oublié ceci. En fait, comme c'est la période annuelle pour mes photos, je fais toujours un thème par rapport à la saison. Là, comme c'est Halloween, là, pour le mois d'octobre, les photos seront avec une toile d'araignée et des petites araignées. Et je l'ai aussi acheté à Action. Je l'ai pas trouvé très cher, voilà. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou qui me suivent pas, mon compte c'est Didi Rêve comme ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, vous verrez des photos avec mes futures photos avec ceci en fond. Donc voilà, donc là c'est sûr, c'est la dernière chose que j'ai acheté à Action. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve pour moi dans une prochaine vidéo, donc ce qui veut dire peut-être la semaine prochaine. Je vous avais promis le rangement make-up ce mois-ci, mais il sera décalé au mois de novembre. Parce que bon, comme on est en période d'Halloween, j'ai préféré faire du make-up. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.